Voilà. Encore le même problème sur iPhone comme sur Android. Vous avez certainement été confronté à ce problème, le manque de mémoire interne de votre iPhone ou de votre smartphone Android. Et oui, on a tous rencontré ce souci de mémoire. Est-ce que vous êtes 64 Go, 128, 256 ou voire 512? Et est-ce que vous avez déjà manqué de mémoire interne sur votre iPhone ou sur votre iPad? Eh bien, aujourd'hui, j'ai une solution. La société Vakit, V-A-C-K-I-I-T, m'a envoyé la solution ultime, les amis. C'est cette fameuse clé de chez Vakit. Vous allez pouvoir l'utiliser directement à partir d'une application sur votre smartphone Android ou sur votre iPhone. Cette clé est multifonction. 3.0, un transfert de données ultra rapide. Cette clé est Lightning. Elle est USB-C et elle est USB-A. Donc compatible avec toutes les plateformes, Mac, iPhone, Android, tablette, enfin tout type d'appareil, même sous Windows. Avec cette clé, vous allez pouvoir transférer à l'intérieur vos données, les récupérer sur votre iPhone ou sur votre smartphone Android, sur votre tablette. Enfin, vous l'avez compris, cette clé est extraordinaire. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description. Très peu cher. Vous allez la trouver en dessous de 40 euros. Attention, c'est vraiment une offre exceptionnelle et elle fera 128 gigas. Il me semble que vous pouvez la trouver jusqu'à 256, ce qui est vraiment très conséquent. On déballe cette petite clé et on regarde ce qu'il y a dans le package. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, l'option que vous allez rencontrer, donc on va retrouver le petit manuel avec la carte de garantie, tout simplement. Et la petite option sympa que vous allez avoir, attention quand vous ouvrez votre boîte, puisque on va avoir un petit adaptateur comme ici, un petit adaptateur qui sera de type USB-C vers USB-A, de couleur gris métal, très design, c'est vraiment très beau, le package est vraiment très premium, et vous voyez que ce petit adaptateur, eh bien, vous allez pouvoir venir le brancher dans un smartphone, par exemple comme ici, un smartphone Android de type USB-C. Donc ça, c'est vraiment génial. Cette clé USB est vraiment entièrement accessible et compatible via tous vos smartphones. Voici donc cette toute petite clé de type Lightning. Donc vous allez pouvoir directement la connecter sur votre iPhone, sur votre iPad, si vous n'avez pas d'iPhone pour l'instant, compatible USB-C. Et souvenez-vous, l'adaptateur, si vous avez un iPhone 15 avec une connectique de type USB-C, eh bien vous n'aurez aucun problème. Et petit bonus, lorsque vous repliez la clé, vous voyez qu'on a une clé USB de type USB-A. Donc vous allez pouvoir la connecter à votre Windows, à votre Mac sans problème et récupérer des données. 128 Go de capacité. Cette clé est une clé donc Lightning 3.0 avec un transfert et un haut débit d'échange de données. Vous allez pouvoir transporter 128 gigas de photos, de vidéos, de livres audio, etc. en vacances avec vous si vous avez un problème en capacité de mémoire de votre iPhone. Vous avez votre iPhone ou votre smartphone Android saturé en capacité de mémoire interne. La clé de chez Vakit sera là pour vous donner entièrement satisfaction pour échanger un max de données. Une fois que vous allez l'insérer, tout simplement, vous aurez une application à aller télécharger sur l'App Store ou sur directement le Play Store. Et cette application sera entièrement accessible à VoiceOver et TalkBack. Je vous montre comment elle fonctionne. Donc, on a une clé 3.0. On a une clé qui va être sécurisée via le Face ID ou le Touch ID. Allez, je vous montre comment elle fonctionne. C'est parti. Ce qui va être intéressant avec cette clé, c'est que quand vous allez la connecter tout simplement à votre iPhone, regardez ce qui se passe. Donc tout simplement, on va vous proposer de télécharger l'application Xtand Plus. Donc cette application va vous permettre en fait d'avoir la possibilité d'échanger des données directement de votre iPhone à votre Mac, votre Windows, ou directement de votre iPhone à la clé, de la clé à votre iPhone. Et ainsi de suite, vous l'avez compris, ça sera donc un échange de fichiers entre la clé et les multiples
possibilité. Donc, on la charge tout simplement. Dès que vous rentrez la clé, c'est parti. Ouvrir, bouton. Voilà comment ça se passe. Il n'y a même pas de compte à créer. C'est tout simple. Vous arrivez sur cette fenêtre. Donc, vous pouvez voir, il y a 4 boutons. Le premier, My Storage Local. On aura la possibilité de mettre tous les contacts Internal Storage. Donc, on pourra directement aller dans la mémoire interne. Tout en bas, on aura un bouton Settings. Donc, le bouton des paramètres. Main setting icon, bouton afficher les fichiers cachés. La possibilité d'afficher les fichiers cachés. Afficher les fichiers cachés. Modifier l'extension du fichier. Modifier l'extension du fichier. Bouton allumer Touch ID et code. Allumer Touch ID et code. Bouton changer le mot de passe. Bouton export picture compatible format. Allumer Touch ID et code. Bouton activer avertissement. Définir le mot de passe. On pourra donc mettre un mot de passe sur la clé et déverrouiller ce mot de passe via le Touch ID ou le Face ID. Ce qui vous permettra de verrouiller la clé et il n'y aura que vous qui aura accès. On va le faire tout de suite. Champ de texte. Modifier. Vérifier le mot de passe. Annuler. Bouton. Vérifier le mot de passe. Champ de texte. Mot point d'insertion à la fin. Je vais maintenant insérer un mot de passe pour accéder à mes fichiers sur la clé. On va tout de suite vérifier. C'est parti. Ici, lorsque je veux rentrer dans les fichiers, on me demande. Souhaitez-vous autoriser Extend à utiliser Face ID ? On nous demande si on autorise iExtend à utiliser Face ID, on va dire oui. If you have them, refusé, autorisé, bouton. Authentification de l'utilisateur. Authentifié via Face ID. Et voilà, donc j'aurai accès directement à ma clé grâce à Face ID. Si je veux avoir accès à un de mes fichiers. Main local storage icon. Authentification via authentification de l'utilisateur. Authentifié via Face ID. Internal storage en tête. J'ai donc accès à ma clé grâce à Face ID, ça c'est super cool. Vous l'avez deviné, donc avec cette clé USB entièrement sécurisée, vous allez pouvoir protéger vos données. Vous aurez donc plusieurs extensions, le PDF, le MP4. Vous allez pouvoir lire différents fichiers audio, vidéo et mettre différents fichiers style EPUB, des fichiers DAISY. Et vous allez pouvoir lire tous vos fichiers à partir de votre iPhone. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, vous pouvez le connecter à votre Mac. Flash Drive, 124,48 libre. Et vous allez donc retrouver votre clé VAKIT tout simplement sur votre PC ou sur votre Mac. Vous allez pouvoir l'ouvrir. Si on a un fichier PDF. Manuel clé dossier. Aujourd'hui, mini-virage 27X3 test de l'écran 27 pouces Centerplate, écran de PC ultra plat. Mini-virage 27X3 test de l'écran 27 pouces Centerplate, écran de PC ultra plat. Le Minifire 27. Présentation parlée. On aura donc des fichiers vidéo, des fichiers .mov, des fichiers .mp4, des fichiers MP3. Tout type de fichiers, des JPEG, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, je la débranche de mon Mac. Donc, comme vous avez vu, je me suis servi ici de l'USB-A. Je vais basculer et me servir maintenant du Lightning. Extend. J'ai mon application Extend. Je connecte ma clé, tout simplement. Avertissement, Extend. Extend souhaite communiquer avec Flash Drive. Ignorer, autoriser, bouton. Je vais autoriser. Extend. Ici, je vais aller dans My Local Storage icon, bouton. My Local Storage. Authentifié via Face ID, bouton de retour. Je m'authentifie. Ici, Internal Storage en tête. Je pourrais éventuellement ajouter. Je pourrais éventuellement ajouter créer un fichier, bouton. Je pourrais ici créer un fichier directement à partir de mon iPhone dans la clé Lightning. Créer un fichier, créer un dossier, modifier, estomper, créer un dossier, bouton. Je peux donc créer un dossier. Créer un fichier, bouton. Je peux créer un fichier. À partir de la bibliothèque d'images, bouton. À partir du presse-papier, bouton. Prendre la photo, bouton. Prendre la vidéo, bouton. Barre d'outils, barre d'icônes, bouton. Ajouter. Donc, comme vous pouvez voir, tout est complètement accessible via la clé. Ça, c'est vraiment top. Prendre la photo, prendre la vidéo, barre d'outils, barre sort icon, barre view agri. External storage icon. Je vais donc aller sur external et là. Émotion flash mini virage 27x3 test de l'écran 27 pouces center barre d'outils manuel clé 2024 émotion flash Brahim PDF. Ici j'ai par exemple un fichier en PDF que je peux ouvrir. Émotion flash Brahim menu d'action. Braille émotion version française guide d'utilisation pour le logiciel version 1.0. Et vous voyez donc mon fichier PDF est correctement lu. Braille émotion version française guide d'utilisation pour le logiciel version 1.0 mai 2024. Selva Healthcare, Inc. 155, 500 euros. Tout est entièrement accessible. Je vous ai d'ailleurs eu 5% de réduction. Je vous mets le code dans la description avec le lien. Si vous voulez bénéficier de cette VAKIT 128 Go, c'est quand même conséquent.
pour partir en vacances, ça peut être plutôt cool. Donc vous voyez, et je peux même lancer une vidéo si je veux. Minifirage 27X 3 test de l'écran 27 pouces sans terre, c'est grand. Je lance. Mini BTN Muffler Back. On va tester aujourd'hui le paysage. Fire. Port de charge à droite. BTN 3. Écran. Et regardez, j'ai directement avec pas mal de lancé la vidéo à partir de ma clé. Ici, sur votre écran. Portrait, BTN, Muffler Back. Risque, nouvelle tentative, Face ID. Authentifié via Face ID. Voilà, j'ai maintenant accès à tous mes fichiers. Voilà pour la présentation de cette clé, la VAKIT. Donc une clé 3.0, MFI, une clé USB-A, Lightning, USB-C avec son adaptateur. Compatible iOS, compatible Android, compatible Mac, Windows. Vraiment, une petite clé que je vous conseille si vous avez besoin de vous promener avec un peu plus de stockage sur votre iPhone. Vraiment le top du top. Merci à vous. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Prenez soin de vous. Avec les 5% que je vous mets dessous, vous avez cette clé pour moins de 40 euros. N'hésitez pas à aller voir le lien. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Allez, à très vite pour de prochaines astuces. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.